Il avait défrayé la chronique en publiant sur son compte Facebook une caricature considérée comme offensante envers l'islam et l'a payé de sa vie. L'écrivain jordanien Nahed Attar a été abattu de 3 balles à Amman par un musulman radicalisé. L'homme a aussitôt été arrêté. La caricature en question, la voici, elle montre un djihadiste sur son lit au paradis, s'adressant à Dieu comme à un simple serviteur. Nahed Attar n'en était pas l'auteur, mais le fait de l'avoir partagé sur les médias sociaux lui avait valu des poursuites judiciaires, et c'est en se rendant à son procès qu'il a été abattu. Le peuple jordanien doit réaliser la gravité de cette affaire, s'indigne un ami de l'écrivain. Il doit s'unir pour combattre les forces qui accusent les autres d'être des apostats. Le gouvernement doit adopter une position très ferme envers ces forces obscures. Il y a eu quantité de crimes commis contre notre nation, au Yémen, en Syrie et en Irak. La Jordanie ne peut plus le supporter. La Jordanie souffre de l'infiltration de ces gens parmi nous. Attar, un opposant de gauche, était connu pour ses prises de position parfois très polémique, comme son soutien à Bachar el-Assad. Après le tollé sur la caricature, il s'était excusé.